Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triangle Strategy. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va finir ce combat, enfin. Enfin. Le truc, c'est que... Eh bien... Paf. Le truc, c'est que... Je pense pas que ce soit vraiment possible de faire, de finir les combats sans perdre d'unité. C'est juste... Ça me paraît impossible, en fait. Ah, vous ne payez rien pour attendre. Retenez bien mon nom, car je suis la dernière personne que vous verrez avant de mourir. Bah non, en fait. Nous y sommes arrivés. Il ne reste plus qu'à trouver Silvio. Victoire. Oui. Enfin. Bilan du combat, 4340 tunas. Soie d'araignée, une médaille d'honneur. Fibre, pierre de qualité. Très bien. On gagne une médaille d'honneur. On a utilisé pas mal de ressources, cela dit. Il va falloir qu'on rachète tout ça. Problème de Glenbrook, domaine de Tellior. Comment est-ce possible? C'en est fini, vous. Sauvez au moins votre honneur en mettant fin vous-même à vos jours. Point d'exclamation. Et de quel honneur parlez-vous? Et comment vous permettez-vous de me n'avoir que ce mot à la bouche? Vous avez refusé de livrer le prince, et qu'est-ce que vos grands principes vous ont apporté? Vous avez été attaqué, isolé, et même trahi par votre propre camp. Bon, pour le côté de l'attaque, ouais. Isolé, ben on va dire qu'on l'était déjà. Et trahi par ton propre camp, on peut s'en prendre qu'à toi, là. Me tuer maintenant n'y changera rien. Vous ne ferez que retarder l'inévitable. Ce que retiendra l'histoire, tiens, en quelques mots. Incapable de vivre avec son temps, la maison Wolfort causa sa propre perte. Bah, tu peux parler de la tienne aussi, hein. Ce seront donc vos dernières paroles? Non, loin de là. Rufus, maintenant. Silvio, j'exige une prime de risque. Hein? Disparaissez jusqu'au dernier. Mais ne vous en faites pas, tant que je resterai en vie, le nom des trois maisons survivra avec moi. S'il y a quelque chose à retenir de lui, c'est sa ténacité. Nous finirons bien par venir à bout de ces épreuves. Oui, mais je ne laisserai ni le royaume de Glenbrook, ni la maison Wolfort courir à leur père. Par contre, vous auriez dû le tuer avant, hein. Pas besoin de... Que personne ne dorme, fin. Pas besoin de discuter, hein. Sauvegarder, oui, on va sauvegarder, oui. On va donc avoir un nouveau chapitre. J'aurais pu faire ça dans le prochain épisode, mais j'aime bien avoir un peu de suspense avec vous. Ça aurait fait 3 minutes de plus, cela dit. Hein. Ça aurait fait pas mal. Hein. C'était déjà beaucoup. À l'issue du combat, l'opposant à Serenor et ses compagnons, Silvio Tellior prit la fuite vaincu. Par contre, pourquoi il a fui chez nous? Ça ne va pas du tout. Toutefois, le poids de ces batailles consécutives se faisait cruellement sentir pour les Wolfort. Comme l'avait espéré Gustadolf, les deux maisons n'avaient fait que s'affaiblir mutuellement. Bah évidemment. Et lui, il attaque. Au même moment, Landroy Fox, dernier représentant des trois grandes familles, croisait le fer avec le général Avlora. Chapitre 8, acte 3, Ombre et Lumière. L'armée d'Ice Frost se rapproche du territoire de Landroy, déterminée à résister jusqu'à la fin. Ça pas du tout ça. Silvio, vaincu par Serenor, tente désespérément de s'échapper mais sans succès. Ah, on va y voir ça. Je dois survivre, 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 survivre. Il se casse la gueule. Eh bien alors, on s'en va sans dire au revoir. Il a été buté par Rufus. Rufus, que fais-tu encore ici? Je veux mon argent. Pour t'être laissé battre à plate couture, et pourquoi pas une médaille aussi pendant que tu y es?
Et notre accord, ce serait plutôt à moi de le rappeler, je te prenais pour un professionnel infaillible. Il y a eu des tromperies sur la marchandise, espèce de charlatan. Il a pas peur de lui dire ça en face alors qu'il va se faire éclater la gueule. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Voilà les nouveaux termes de notre contrat. Les sous ou la mort. Hein? Je n'ai rien à te donner, même si je le voulais. Et je te conseille de bien réfléchir à ce que tu fais. Tu as déjà perdu contre les Wolfort. Si tu me tues, tu perdras aussi toute chance d'être rémunéré. Et tu n'as rien à y gagner. Ça se tient. Hein? Si c'est ma fortune que tu veux, je trouverai un moyen de la récupérer. Alors, ne m'estourbis pas tout de suite, c'est d'accord? Bon, je conclue. Mais essaie encore une seule fois de te payer ma tête. Et c'est la tienne qui tombera. Fallait le buter tout de suite, c'est une vipère, cet homme. Pim, 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 pim. On va aller à la cité Folks, on n'a pas le choix. Mais ce n'est pas un combat, donc c'est juste une histoire. Pim, pim, pim. Enfin juste, on pourra aller voir quoi. Papapapin. Ah ouais, ils se sont fait bien défoncer la gueule, les Folks, là. Ah merde, il est tombé. Ça, c'est pas possible, ça. Tant de sang versé. Je suis forcé de reconnaître ton indéfectible fidélité envers ton défunt roi. Ennemi ou non, tu as mérité mon respect. L'intendant serait fier de compter un homme de ton calibre dans ses rangs. J'aime mieux mourir la tête haute que vivre dans la honte. Je regrette de te voir t'achever. Alors laisse-moi te faciliter la tâche. Les trois grandes maisons ne servent qu'un seul souverain, quand bien même leur loyauté devrait causer leur ruine. Ah. Bah, il a loupé sa flèche, ce con. Longue vie au roi. On est vraiment tout seul, hein. C'est un bain de sang. Mais assez catastrophique. Il nous reste peut-être la lance divine. Hein. Maxwell qualité filtre. On espère qu'il ne soit pas mort. Mais il y a de quoi douter quand même. Bien que les Wolfort eurent contrecarré l'odieux projet de Silvio Taylor, ce dernier parvint à s'enfuir, abandonnant ses terres derrière lui. Ce qui ne peut être qu'à l'avantage de... La carte devient toute rouge, c'est abusé. Même les Isandes, quoi. Quant aux Folk, ils succombèrent en dépit de leur bravoure à l'offensive du général Avour. La mort de leur seigneur, Landroy, signale l'extinction de cette noble maison. Et c'est rouge à nouveau. Wolfort, Taylor et Folks, ainsi parmi les trois grandes maisons protectrices du royaume de Glenbrook. Deux d'entre elles s'étaient déjà effondrées sous les coups impitoyables d'Ice Frost. Ah non, c'est encore un peu bleu quand même. Seule demeurait à présent la maison Wolfort, plus isolée que jamais face au péril qui l'attendait encore. Alors on est un peu dans la merde là quand même. Mais ils ont une armée infinie à Ice Frost ou ça se passe comment? Parce que je veux bien qu'ils soient forts, mais faut pas déconner non plus. Sur les trois grandes familles protectrices de Glenbrook, deux sont déjà tombées. L'invasion d'Ice Frost m'avait initialement pris de court, mais les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Les Wolfort ont perdu leur souverain, leur frère d'armes et tout autre allié digne de ce nom. C'est le moment idéal pour agir. Alors jette-leur un os à ronger. Et mieux encore, engraisse-les jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus bouger le petit doigt. Ce sera fait, et bientôt, l'une des factions qui s'est la plus illustrée pendant la Grande Guerre sera forcée de vous obéir au doigt et à l'œil. Sans compter que leur domaine est situé à un point stratégique du continent, il constituera le relais parfait pour nos livraisons. Et comment? L'avenir s'annonce plus prospère que jamais pour la maison Andé. Alors je sais qu'il a plutôt une voix grave dans la version anglaise, mais ça correspond plus au personnage, d'après moi. Seuls les sots font la guerre en se battant en première ligne. Les génies
comme moi préfèrent gagner sans même dégainer leur arme. Il va se faire raser lui un moment. Il va avoir flou. Bon, par contre, ça se passe pas bien de notre côté. Hein. Jeune maître, nous venons de recevoir un oiseau messager envoyé par le Sire Sorcelet, membre des, sept saints de Isante. Il se dit peiné par notre situation actuelle et désireux de nous apporter son soutien, à la fois matériellement et financièrement. C'est plus que nous oserions l'espérer, mais... Pourquoi nous tendrait-il une main généreuse tout à coup? Cela a sûrement caché quelque chose. Je partage votre pressentiment. On ne devient pas l'un des sept saints en écoutant que la bonté de son âme. De plus, le Sir Sorcelet n'a jamais montré beaucoup d'intérêt pour les affaires dans des nations étrangères. C'est louche. À mon humble avis, son offre vise surtout à rendre le domaine des Wolfort redevable envers lui et dépendant de son aide. Je m'en doutais. L'ennui, c'est que nous avons réellement besoin d'argent et de matériel pour soigner nos blessés civils et militaires. Acceptons sa proposition. Quel que soit son motif caché, nous pourrons y faire face une fois que nous aurons recouvré toutes nos forces. Bien noté. Nous réfléchirons à un moyen de nous protéger contre lui, le cas échéant. On est en train de s'enliser dans les emmerdes, là, quand même. Pim, 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 pim. Hop. Château Wolfort. On a ici quelque chose au château de l'Ilse Blanche. Gustadol, après avoir entendu le rapport d'Avlora, aura décidé d'agir. Et on n'a rien d'autre. Ok, ok. Et nous allons voir ça. Pim, pim. Félicitations pour la prise des Folks. L'ancienneté de cette maison n'avait d'égal que sa valeur, mais ce soldat en fait honneur à son nom. Et son seigneur devait être fier de pouvoir rendre son dernier soupir sur ces terres qu'il chérissait tant. Il était grand temps qu'il repose auprès de ceux qui ont combattu durant la Grande Guerre, voilà déjà 30 ans. En parlant de repos, je suggère que tu en prennes également, Avlora. Pardonnez-moi, votre éminence, mais je ne suis pas sûr de comprendre. Il n'est pas bon pour le moral des troupes que de les envoyer au front trop de fois consécutives. Quitte à laisser les Wolfort reprendre des forces, le prince Roland est toujours avec eux. N'est-ce pas un désavantage pour nous? Quelle que soit sa stratégie, le prince n'arrivera à rien sans alliés dignes de ce nom. Même isolé de tout soutien extérieur, les Wolfort restent dangereux. Nous parlons de la faction qui, envers et contre les prédictions de tous, a modifié le cours de la guerre précédente. Et aujourd'hui, ils sont à notre merci, telle une proie prise au piège. À moins, bien sûr, que tu trouves matière à discuter mes ordres. Non, votre éminence, veuillez pardonner mon impertinence. Honnêtement, je vois pas comment on s'en sort. Ça va être le bordel monstre. Ça va être le bordel. Château de Wolfort. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous m'avez fait demander, votre Altesse. Je souhaite quitter le domaine des Wolfort. Et vous avez besoin de moi pour convaincre le jeune maître? Oh, tout juste. Le connaissant, il n'appréciera pas que j'aille à l'encontre du jugement de la balance. Mais je lis sur les visages moroses des villageois qu'ils sont épuisés par la situation, tout comme ce château. Nous avons pris cette décision tous ensemble. Cela ne change rien au fait que nous l'avons prise à cause de moi. C'est à moi d'assumer les responsabilités qui en découlent. Tu n'as pas de sacrifier non plus, là. Tout ce qu'on a fait, ça ne servait à rien dans ce cas-là. Si vous affirmez être prêt à assumer vos responsabilités jusqu'au bout, sachez que j'ai peut-être une idée vous concernant. Je t'écoute. On te fait passer pour mort, peut-être, ça marche. Je veux que vous retiriez l'anneau à votre doigt. Ok. Ma chevalière, celle qui prouve mon appartenance à la famille royale, pourquoi donc? Parce que vous devez mourir, votre Altesse. Ouais, c'est ça. On falsifie sa mort.
ça limite les problématiques. Travis et Trish, les bandits ont ramassé quelque chose près de la rivière. Et c'est ça. Ils vont voir la chevalière. On fait un cadavre d'un faublon et puis voilà. Et ils vont croire que Sibio l'a tué. Par ici, patron. Ah, c'est ça, il y a un faux cadavre. C'est forcément un faux. Hein. Pouah, on sent à l'odeur qu'il est déjà bien décomposé. Mais tu disais vrai, il est trop endimanché pour être un simple pecno. Hey, papa, tu te rappelles cette histoire de prime? Un peu, je me rappelle. Des fois que la chance serait de notre côté. Hein? Papa, visez un peu ce qu'il a au doigt. Une chevalière frappée des armoiries royales. Ah, plus de doute, c'est vraiment le prince Roland. Bon, ça se voit à 10 km que c'est un piège, mais... ça peut marcher, hein. Comment ça se fait que Silvio ne l'ait pas ramené, du coup? Bien que l'état du cadavre rende son identification délicate, je confirme que la chevalière est authentique. Or, il n'existe qu'une seule personne, hormis la princesse Cordelia, qui puisse encore être en possession d'un tel bijou. Nulle erreur possible, il s'agit du prince Roland. Mais il aurait pu l'enlever. Excusez-moi d'insister, mais... Et la prime? Thalas, donne-leur l'argent. Ils vont se faire buter. Oui, mon frère. J'avais toujours un faible pour les hommes généreux. Ah, ils sont pas fait buter, je pensais. Pathétique. Est-ce vraiment ainsi que s'achève l'histoire de ce royaume? La loyauté est une noble cause, mais elle ne pèse pas lourd face au désespoir. Même les wolves fortes ne sont pas dénués de bon sens. À présent qu'ils se sont séparés du prince, nous n'avons plus aucune raison de les attaquer. Oh, ils ont bien dû envisager la fuite, mais qui aurait pris le risque de les aider? Quoi qu'il en soit, nous avons obtenu d'eux ce que nous voulions. Une victoire bien insipide. Alors, qu'est-ce que ça fait d'entendre quand ton frère a été trahi de tous? Elle le sait que c'est pas lui. Non, pas vous aussi, Roland. Non, elle le sait pas, ok. Je disais qu'elle allait voir un tatou. Ombre et lumière, fin. Ah ouais, fin de l'acte. Alors en fait, moi je pars du principe que c'est un faux, mais ça se trouve c'est vraiment lui. Ça m'étonnerait fortement. Mais, on sait jamais. C'est qu'une bague hein, quand même. Il perd son statut de prince, mais au moins, il a envie quoi. Fin du jeu, c'est la loose. La nouvelle de la mort du prince Roland se répandit sur le continent à une vitesse fulgurante. Pour tous, sa disparition signifiait la fin du royaume de Glenbrook. Cependant, quelques jours plus tard, le duché d'Icefrost et le royaume de Glenbrook firent une déclaration conjointe. Cette déclaration annonçait que Cordelia, le dernier membre vivant de la famille royale, deviendrait reine de Glenbrook. Ouais, bah forcément. Et qu'elle épouserait l'intendant Auguste Adolphe. Oh, sans déconner. Ah, et ils sont tellement heureux de le faire. Chapitre 9, acte 1, espérance déçue. La princesse Cordelia est fiancée à Auguste Adolphe, l'homme même qui envahit nos terres, mais c'est un véritable affront. Mais c'est la faute du roi Ragnar, on n'en serait pas là s'il n'avait pas voulu la mine à lui tout seul. Moi ça m'est égal, après tout, tant que le royaume de Glenbrook ne disparaît pas. Comment osse-tu dire ça? Il n'y a pas trop le choix en fait, tu crois qu'elle l'a voulu la meuf? Très cher peuple, nous avons dû faire face à de nombreuses épreuves. Glenbrook et Icefrost ont tous deux subi de lourdes pertes, humaines et matérielles. Je sais également à quel point vous aimez mes frères.
Vous aimiez mes frères, les princes Franny et Roland. Sachez que je partage votre peine et vous présente mes plus sincères condoléances. Comme vous le savez, ce sont les actes de mon père, Regina, qui sont à l'origine de cette tragédie. Là, elle a mal au cul, hein. Mais comment faire face à la tristesse, à la colère et aux erreurs passées? Faut pas pardonner à S. Frost, on va quand même pas leur lécher les bottes. Nous devons admettre nos crimes afin de pouvoir enfin aller de l'avant. L'intendant Gustadolphe, dans son grande magnanimité, a accepté de nous donner une chance. Une chance de faire de Glenbrook une contrée libre et juste, une opportunité de renaissance. Et c'est pourquoi moi, Cordelia, reine de Glenbrook, j'ai décidé d'accepter la bienveillance et la supervision d'Aes Frost. Je jure devant vous de faire tout mon possible pour apporter la paix dans notre royaume, aux côtés de l'intendant. Au bout. Auront la ref. Instant Gustadolphe, je crains que la reine Cordelia soit incapable de régner sur Glenbrook. Mais peu importe sa compétence, le but est que le peuple focalise ses espoirs et son mécontentement sur elle. Je profiterai de leur aveuglement pour instaurer un gouvernement basé sur des principes de liberté à ce pays archaïque. Un peuple qui a pris goût à la liberté n'acceptera jamais de la perdre par après. Ainsi, lorsque Cordelia mettra au monde un autre héritier, le pays et ses habitants auront naturellement accepté d'être régis par Aes Frost. Nos manœuvres politiques sont plus cruelles que la guerre elle-même. Je vais changer ce pays pour le meilleur. Le peuple me remerciera. Est-ce qu'Avlora, elle commencerait à avoir des doutes? Je la sens pas à l'aise avec ce qu'il fait le gars. Père, mes frères, je vous vengerai. Il est toujours debout, Roland, ne t'inquiète pas. Pin, pin, pin. Quelle sera la réaction de Serenor et son groupe face à l'ascension de Cordelia au trône? Ah bah ils vont pas être très contents, hein. Pin, 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 pin. Prince Roland, êtes-vous au courant du discours donné à la capitale? Oui. Ne leur pardonnerai jamais, forcer la princesse Cordelia à tenir de tels propos. Arrête, Huguette. Utiliser ainsi la mort du roi, son propre père, faire passer cette ordure de Gustadolphe pour le gentil. Ne dis pas de choses pareilles, Huguette, s'il te plaît. Cordelia fait ce qu'elle peut pour résister. Et puis, ma sœur est vivante, c'est tout ce qui compte. Veuillez me pardonner. Tu n'es pas le seul à être en colère, Roland. Tu as raison, j'ai perdu mon sang-froid. Désolé. Cependant, être en colère ne suffit pas, nous devons agir. Tout à fait. Votre mort vient justement d'être rendue publique, Prince Roland. Grâce à cela, nous pouvons commencer à agir librement. C'est à partir de maintenant que tout va se jouer. Écoutez-moi, tout le monde. À compter d'aujourd'hui, le Prince Roland est mort. Je ne suis que Roland, un simple soldat de Glenbrook rescapé de l'invasion. Ah bah oui, je veux dire, t'as la même gueule que le prince, t'as le même nom, tu voudrais pas le changer peut-être. C'est un peu louche. Et je compte sur vous pour rester à mes côtés jusqu'où l'honneur de ma famille sera rétabli. T'inquiète pas. Et en plus tu mets des... Et en plus tu prends le chapeau et le masque de Maxwell. C'est louche. C'est le masque de Sir Maxwell. Oh, avec ce masque, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau au Maxwell de jadis. Ce qui vient de se dérouler est un secret que seuls les membres de la maison Wolfort doivent connaître. Je compte sur votre discrétion. Maxwell, donnez-moi la force de vaincre Aes Frost. Moi, j'y crois qu'il n'est pas mort. Mais bon, je commence à douter de plus en plus. Hein. Ah, Simon aussi, il va crever.
Comment se porte mon père ? Sa condition s'est stabilisée, mais il lui arrive de gémir de douleur de temps en temps. Je vois. J'aurais tellement voulu lui parler de la situation actuelle. Jeune maître, je suis sûr que votre père serait fier de vous. Il vous dirait que vous avez brillamment protégé votre maison. Néanmoins, nos ennuis ne feront que commencer. Tant que nous sommes sous la protection de la maison Andé, nous risquons de devoir répondre à toutes leurs requêtes irraisonnables. Exactement. Et je doute que le Sir Sorcery soit rempli de bonnes intentions à notre égard. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à sa place, Bénédicte ? J'exploiterai tout ce que je peux jusqu'à ce que le domaine soit complètement à sec. Et ensuite, je m'en débarrasserai. Yes. Il se fourre le doigt dans l'œil s'il croit qu'on va le laisser faire. Oui, j'ai déjà donné mes instructions à Anna qui a commencé à agir. Protéger cette maison et apporter conseil à son seigneur sont les devoirs que votre père m'a fait l'honneur de m'accorder. Jeune maître, nous avons tous fait la même promesse au Sir Simon en entrant à son service. Celle de sacrifier nos vies pour la maison Wolfort, s'il le faut. Nous en sortirons, soyez-en sûrs. Merci vous deux. Je suis chanceux de vous avoir à mes côtés. Mais c'est chaud quand même. Mais c'est chaud quand même. Pim, 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 pim. Waouh, 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 waouh. Il y a plein d'annexes. La mort d'un jeune homme était sur le point de changer le destin du gardien de la porte des deux sentinelles. Ah ah ! Ça m'intrigue, ça. Chambre de Svarog. Sir Svarog, nous avons reçu le corps du monsieur Dragon. Ah ! Eh oui. J'arrive tout de suite. C'est le père donc de Dragon. Ah, lui va peut-être nous rejoindre, lui. Quand il apprendra la vérité. Qu'est-ce qu'il y a ? Pardonnez-moi, mais il vaudrait mieux que vous ne le voyiez pas. Et pourquoi ? Il a été laissé dehors à la merci des éléments. Et son visage est méconnaissable. Très bien. Tu peux disposer. Ça doit être vraiment, vraiment horrible de voir ses enfants crever, quoi. Pardonne à ton incapable de père, Dragon, de n'avoir pas su te protéger. Mais je te promets de retrouver celui ou ceux qui t'ont fait ça, et de te venger. C'est ton seigneur. Alors ça va être compliqué. Mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé à la mine pour qu'il se fasse buter d'ailleurs. C'était quoi le secret là-bas ? Que des mystères. La source, dans la chaleur torride de la source, même le cœur des hommes est assoiffé. Pa-pa-pa-pam. Pa-pa-pa-pam. Ah ah. C'est un lieu de bataille ça, c'est certain. Ta-na-na. Ah ouais, mais c'est tous des Norzaliens, non, c'est quoi? C'est comme ouais, c'est les chevaux roses là, c'est comme Frédérica. Ah les pauvres. Roséliens, voilà. Ah, de l'eau. L'esclavagisme. Debout. Je vous en prie. J'ai soif. Mais tu n'es pas le seul. Alors souffre en silence. Bah, tu pourrais au moins les faire boire, quoi. Et tout se passe bien ? Oui, nous avons déjà extrait plus de sel que prévu. Ils sont en train de crever. Mais fantastique. J'aimerais voir le registre d'extraction. Tenez, le voici. Oui. J'aimerais le garder avec moi. Après tout, il serait vraiment problématique d'y découvrir des irrégularités. Entendu. De l'eau. Délivre-le de ses souffrances, Booker. Il va se faire buter. Oh. Yes.
Ne sois pas trop gentil avec eux. Ils essaieront toujours d'en profiter. À vos ordres. Ah, c'est beau. Quel merveilleux pays. Très bien, très bien. Bah, en tout cas, lui, ça va nous faire un plaisir de lui niquer sa race. Anna entend des rumeurs concernant des transactions illicites lors de son investigation au Port Walford. Allez voir ça. Je vois. Il y aurait donc des transactions illicites de celles qui ne passeraient pas par la firme norzélienne. Oui. En travaillant dans ce domaine, on entend des rumeurs, qu'on le veuille ou pas. Il paraît que ça brasse un sacré paquet d'argent, tout ça. Mais moi, je n'ai pas le courage de tremper dans ce genre de choses. Le courage, pardon. Et qui est derrière l'organisation de ce marché noir? Ah, ça, mystère. Peut-être que ceci vous délira la langue. Ah ah. Et tiens, oui, ça me revient tout d'un coup. Mais c'est qu'une rumeur, hein, mais... Il paraîtrait que c'est le Sir Sorcelet Andé de Isante. Mais tu ferais mieux de rester loin de tout ça. Pourquoi? Hop là, je crois que j'ai encore la mémoire qui flanche. Hey, merci bien. Tu me donnes pas l'info? Sors-toi pas de ma gueule. Serenor, va-t-il trouver des mots pour réconforter Frédérica? Eh bien, nous verrons ça dans le prochain épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans le prochain, justement, pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.